Allez, bonjour à toutes et à tous, ici je suis Célandron et bienvenue pour ce tout premier épisode de mon tout nouveau Let's Play sur le jeu Anno 2070. Allez, un petit retour, mon péché mignon, des jeux de stratégie avec un petit peu... Enfin, des jeux de stratégie gestion avec un petit peu de baston mais pas beaucoup. J'adore franchement la série des Anno, hein. C'est une très très bonne série. Bon, malheureusement j'ai toujours pas acheté... Le Anno 2200, du coup, bah, on reste sur le 2070, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc après un petit let's play retour sur les jeux stratégie avec Age of Empires, là on passe sur les jeux de gestion stratégie, avec quand même une plus grosse partie de gestion que stratégie. J'ai envie de m'amuser un petit peu là-dessus. On va partir sur un petit let's play d'une dizaine d'épisodes, vous allez voir, ça va être assez sympa. Et comme j'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop classique, c'est-à-dire la campagne, on va partir sur les affaires mondiales. Les affaires mondiales qui sont en fait une série de 3 missions à faire d'affilée, du plus facile au plus dur. J'ai jusqu'au 7 novembre pour le faire, on est le 24 octobre pour moi, du coup je vais essayer de tout faire sur la dizaine d'épisodes. Ça va être dur parce que je suis pas, objectivement, voilà, je suis pas très très bon sur les anneaux, j'aime bien ça, mais je suis pas bon du tout. Mais il n'empêche que je m'amuse beaucoup. Du coup, voilà, vous êtes prévenus, je ne suis pas pro player, je vais faire de la grosse daube. En plus, comme j'enregistre toutes les vidéos en avance, eh ben, vous allez hurler dans les commentaires comme d'habitude. Mais rassurez-vous, je les lis. Et si je fais une saison suivante, normalement, si j'oublie pas, je les corrige. Si j'oublie pas, attention. Voilà, voilà. Ça va être sympathique tout ça, mais autant que je vous laisse un petit peu avec le briefing vidéo d'abord. Vous n'êtes peut-être pas au fait des récentes évolutions de la bourse. Pour résumer, la valeur des actions de Global Trust a beaucoup baissé, notamment à cause de regrettables querelles territoriales avec Eden Initiative. C'était le début d'une baisse progressive qui, en ce moment même, détruit les valeurs en capital. En réaction, le conseil d'administration de Global Trust et Skylar Baines ont autorisé des mesures immédiates pour contrer la menace de récession mondiale. Mesure numéro 1. Contactez tous les architectes. Global Trust compte sur vous pour développer de nouveaux centres de peuplement dans les secteurs récemment acquis. Cela nous permettra de démontrer notre force ainsi que la stabilité de nos revenus en vue de combattre la crise économique. Mesure numéro 2. Réduction générale des taux d'imposition des employés. Cela risque de vous compliquer un peu la tâche, mais à long terme, la bonne santé du marché interne sera assurée. Poursuivez votre expansion et compensez les pertes fiscales par le commerce conventionnel. Différents sous-traitants ainsi que des opportunités commerciales vous attendent dans le secteur qui vous a été attribué. Tâchez d'en tirer un bénéfice mutuel. Ne décevez pas les dirigeants de Global Trust, ni nos employés, car ils ont beaucoup d'estime. D'accord, d'accord, bon bah tout ça c'est bien, hein. Donc on va aller du côté des bons gros capitalistes pollueurs sa mère, les tycoons. Donc effectivement je vous invite à regarder la première saison que j'ai faite disponible sur ma chaîne, sur Anno 2070, parce que évidemment, sinon vous n'allez pas tout comprendre, j'explique, je crois, si je me souviens bien dans cette saison, quelles sont les différentes factions, où est-ce qu'on en est dans l'histoire du jeu, etc. Donc, nous allons partir pour la première mission, une mission facile, mesure pour rétablir la confiance, petit secteur abritant des terrains constructibles proches de Soko Transactional. Récompense, bâtiment, centre de statistiques. On est parti. Donc, il nous faut installer des ouvriers Tycoon, gagner du crédit grâce au commerce. Vos résidents génèrent un peu moins de revenus fiscaux, ce secteur abrite un certain nombre de partenaires commerciaux. Découvrez ou conclure les meilleures affaires. D'accord, va falloir faire de la thune et faire de la pop. Ok, capitaliste, overnight fund zone. Remarque, le contenu disponible ici n'inclut pas les fonctions et les contenus suppléments à 2070 en eau profonde. Ah bah c'est ballot. Mais c'est pas très grave, allez on y va. Eh bah c'est parti. C'est y part. Alors... Donc nous avons de quoi installer un entrepôt. Alors, vous demande d'augmenter vos échanges de marchandises. Ok, d'accord. Hop, c'est ça. Il nous faut 500 ouvriers Tycoon et 5000 de commerce. Bon, ça devrait être faisable largement. Alors, le tout, c'est de trouver un emplacement. Enregistrement du Alors, continent. On a une île. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais pas le tour de la zone avant de me choper une île, trouver la meilleure île possible. De la nouvelle île acquise. Alors, hop, je chope plein d'îles. Localisation de l'île. Alors, il y en a une énorme juste à côté de chez moi. Faudrait peut-être que je me la top.
coordonnées de la nouvelle île acquise. On fait ça vite, hein. On fait ça très vite. Votre vote en faveur des principes des échos a suscité toute notre attention. À propos, je suis Yana Rodriguez d'Eden Initiative. Ok, j'ai trouvé Yana Rodriguez. Information sur la fondation de colonies disponible. On va prendre la plus grosse. Je regarde la carte là, en fait, actuellement. Sokov transnational. Ok, on a trouvé Sokov. Je suis le maître. On a trouvé Sokov. Nous, on va partir sur cette île-là. Je pense qu'elle est plutôt pas mal. Problème, c'est qu'il n'y a pas des grandes plages de sable disponibles. On va plutôt se caler par là, je pense. On a un site minier pas loin. Donc là, on pourra mettre une zone de construction. Une zone de production. Le tout, c'est de pas trop griller de la place sur des cailloux. Je me tâte un peu, en fait. Si je la mets là, je crois que je grille quand même pas mal de places d'entrepôt, de secteurs d'entrepôt avec les montagnes. Tandis que si je la mets là, ça m'a l'air d'être un peu mieux. En plus, on pourra mettre un entrepôt, ça taillera sur tout le... Ouais, c'est mieux ici, je pense. Je pense que c'est mieux là. On va le caler ici. Analyse de la zone d'implantation de la colonie. Ok, c'est parti, première colonie. Condition de vie optimale. Félicitations. Alors, on va commencer par les modules de construction. Il nous faut évidemment des modules de construction, sinon les modules de construction qui sont une des ressources principales de ce niveau d'âge, entre guillemets, là. Donc là, il va falloir que je les cale le plus compact possible. Il faut que je compacte tout. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Pénurie énergétique. Ok, donc, je suis à combien? Je suis à moins 2 en énergie. Donnez-moi votre énergie! Pardon, je suis allé un peu loin. Alors, on va lancer ça déjà, je pense que ça peut être pas mal. Ah merde, du coup ça sert à rien ça. Réfléchir avant de poser, ça peut toujours être une bonne idée. Essayer de griller le moins de place possible, mon objectif c'est ça. Donc, il nous faut de la production d'énergie que je ne peux pas avoir parce qu'il me faut les ouvriers Tycoon. Donc, on va installer notre zone d'habitation. On l'installe par là. Par contre, je vois que j'ai vraiment pas des grosses îles. Du coup, il va falloir vite que je me trouve une autre île pour pouvoir installer d'autres trucs. D'autres habitations. Alors, c'est parti. Les incitations fiscales ont fortement réduit nos recettes, ce qui va nous obliger à rechercher d'autres sources de revenus. Alors, je fais ma technique que vous avez sans doute pu voir dans la saison précédente, si vous l'avez regardé. Une technique de disposition de centre-ville qui n'est pas optimale, mais qui fonctionne bien, je trouve. Qui fonctionne clairement bien. Du coup, on va partir là-dessus. Mais elle n'est pas optimale. Hein. J'ai vu qu'il y avait des patterns disponibles sur le wiki, tout ça, qui sont là pour indiquer des choses optimales, mais moi j'aime bien faire mes petits trucs à ma sauce. Tant pis si c'est pas le plus opti du monde. Alors, du coup, il faut du poids poisson. On va placer un truc de poisson avant que tout le monde ait plus de bouffe. Qu'est-ce que t'as, toi? Allez, pas assez d'énergie. Ok. Donc là, on va faire de la récolte de charbon. On va mettre tout le monde au charbon. Ah ah, c'était une blague pas drôle sur le travail des enfants. Pardon. Elle devait être vraiment bien nulle. Alors, est-ce que je peux placer quelque chose? Ah oui, ok. Bilan du coup... écologique, les valeurs plongent. Ouais, je sais que bilan écologique, les valeurs plongent. Alors, hop. Parce que là, pour le coup, on va détruire la flore. Mais con, la con de toi. Tu es le pire stupide du monde. C'est l'endroit. Voilà. Bon, il doit y avoir assez de charbon pour produire quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'on a un bilan de merde. On a le bilan le plus pourri du monde. Ok. On va placer les habitants. Hein. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que même s'ils produisent pas beaucoup à cause du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'impôts, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Alors, on va accélérer un peu le temps.
Ok, donc l'énergie, on est bon, on a suffisamment d'énergie. Voilà, ça monte à plus 50. Ah, un peu plus même. Ah, ça monte à plus 60. Bon, ça c'est cool. Ça c'est particulièrement cool. Donc on doit atteindre les 500 ouvriers tycoon et il nous faut vendre des trucs, d'après l'objectif. Donc les 500 ouvriers tycoon, c'est assez simple. Il n'y a pas de véritable souci. C'est vendre les 10 000, ça veut dire qu'il faut quelque chose à vendre. Et c'est ça le petit souci. On va quand même continuer de poser des bâtiments tycoon. Un petit peu, ça peut être une bonne idée. Hop. Sélection de bâtiments étendue. Ok, d'accord. Donc là, j'ai tous les bâtiments disponibles en fait. Donc du coup, je dois pouvoir monter à l'étage supérieur. Ah, il faut de la distillerie. Mais c'est peut-être pas mon objectif pour l'instant. Ça va même certainement pas l'être. Actuellement. Ah, c'est vrai que j'ai toujours un gros problème à ce niveau-là, c'est que... en fait, je vais être à court d'outils, je dois en acheter, ça va me coûter une blinde. Alors, la pêche, on va mettre des bâtiments de pêche, hop, ça, bon, on sera tranquille. Alors, là, est-ce que je mets la distillerie? Ça peut toujours être une bonne idée. Je vais continuer quand même à poser des bâtiments de population tycoon. Un petit peu. Ça peut être une bonne idée. Je vais en poser pas mal. Ça sera déjà ça. Et après, on s'occupera des autres bâtiments. Donc voilà, ça y est. J'ai mes 500 ouvriers tycoon. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur la vente de marchandises. Parce que là, 5 000, ça va pas aller vite. Sachant que j'ai réussi à... Enfin, j'ai un petit peu des excédents en pêche et en charbon, du coup je l'ai mis en vente. D'ailleurs, toi, est-ce que tu voudrais pas m'acheter quelque chose? S'il te plaît, achète-moi quelque chose, achète-moi de la bouffe. Pas le temps de discuter, j'ai du travail. Parce que là, il va me falloir vraiment, vraiment pas mal de... Ah, voilà. Oui, je suis à 60 sur 5 000, ça va être long. Ça va être particulièrement long, du coup il nous faut plus de produits, clairement. Il nous faut plus de trucs à vendre. On va commencer par les distilleries, parce que comme on regarde, les gens, les quartiers d'ouvriers nécessitent aussi de la boisson, de l'alcool, de la binouze. Donc on va partir là-dessus un petit peu. On va savoir où est-ce que je vais le mettre. On va laisser un petit passage d'accès ici si on veut aller chercher de... Un impact environnemental négatif réduit la fertilité. Ah ouais, mais c'est tout petit, on peut en caler plein à côté. Ok. On va pouvoir en caler pas mal. Ah, c'est juste que j'ai pas assez de module de construction. Ok. Alors. Oh, ça va, ça va pas du tout être petit, mais c'est pas grave. Il m'en faut pas mal. Je pense qu'il m'en faut au moins 4. Qu'on puisse partir sur de la bonne grosse production des familles. Un truc bien lourd. Oh, en fait, c'est assez petit, hein, si je me regarde, si on regarde bien. Ça peut être pas mal. Ça, on peut caler des trucs autour. Genre je me calerais bien un nouveau module de... Je suis à combien? Les granules, il y en a pas mal. Hein. Je pense que je me calerais bien un nouveau concepteur de module de construction. Voilà. Petit sushi. Non, pas de petit sushi. Je regarde un peu mes stocks. Il faut pas qu'il y en ait qui soit en baisse. Ça va. Il y a Trenchcoat aussi qui est dans le secteur. Et il achète quoi, lui? Ah bah voilà. C'est lui qui achète de l'alcool pour 20 crédits la conne à l'infini. Ouais, sauf qu'évidemment, j'ai à peine commencé à produire de l'alcool. On va accélérer un peu, je vais essayer de faire des stocks, voir où ça va me mener. Normalement, ça va aller bien. Ça devrait aller bien. La question que je me pose, c'est est-ce que je devrais pas monter d'âge mes ouvriers? C'est-à-dire les faire passer au stade employé tycoon, ou plutôt qu'ouvrier tycoon. Ce qui fait que je débloquerai un petit peu des nouveaux bâtiments, notamment au niveau de la logistique.
un peu plus de véhicules comme ça, parce que les véhicules, bah, on en a quand même besoin pour amener, récupérer des trucs. Là, ça produit bien, mais je sens quand même un petit problème. Ah, ça va récolter des trucs. Ce n'est peut-être pas très très clair, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, donc Trenchcoat, tu restes encore combien de temps? Non, c'est bon. Quel fiasco. J'ai pas la flemme de faire une quétasse à la noix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais carrément tout prendre et je vais aller vendre des trucs à Trenchcoat. Ça va me faire un petit peu de thunes. Hop, on va y aller. Comment ça va? Vous ne trouverez ce genre de choses nulle part ailleurs. 380. Ah ouais, ça va être long. Oh oui. Ça va être particulièrement long. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous pouvez pas récupérer ce qu'il y a dedans. Bon, évidemment, on est à 20 milliards de... On va mettre du commerce un petit peu aussi. On va rajouter les... Non. C'est pas ça que je veux. On peut pas faire d'autres trucs de commerce? Non. Hey. On peut pas vendre d'autres trucs que ça? Non. Hey, oh. On peut pas faire plus de commerce que ça, c'est débile. Ou alors il faut que je monte mon entrepôt. C'est possible aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il faut que je monte l'entrepôt. Ok. Oh la vache. Mes réserves qui prennent un coup. Ah non, ça va, mon 49, ça passe encore. On va mettre un petit centre de Yolotitude, un petit centre de jeu. Évidemment, plus. Bon, ok, il me faut 4 outils, évidemment, j'en ai que 3, hein. Alors, c'est le génie, c'est le GG, c'est tout ce que vous voulez, c'est super cool. Global Trust, tu m'en vends. Ah, 40 outils pour 32 crédits à tonne. 32 crédits, ouais. C'est pas drôle. Impossible d'agir. La compagnie veille sur ses amis. Je crois que... Ok. Plus... Avertissement. Arrêt complet de la production. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de plus de... De plus d'options. De plus d'options de construction. Acquisition foncière par un autre individu. Ah, ça a chopé une nouvelle île. Nouvelle classe de population détectée. C'est vrai que ça va redescendre. On va juste vérifier que les ouvriers tycoon ont... On pas trop redescendre. C'est bon, ça a été validé. Ça a été validé, ça va pas changer plus. Donc, maintenant que nous sommes ici. Il est temps de faire... D'interdire les... La progression... Eh merde. Faut combien d'outils? 4. Bon, faut que j'aille en racheter. J'allais dire, il est temps d'interdire un petit peu la montée des... La montée en niveau des ouvriers aux employés pour éviter qu'on... Chacun veut être prêt. Pour éviter qu'ils me piquent tous mes outils, mais c'est fait trop tôt. Voilà. Accomplissez cette quête au plus vite. Un architecte à Hampton. À Thornton. Alors, il y a un architecte qui traîne. Trouvez. Écoutez ma contre-proposition avant de commencer. Et je vais peut-être le livrer à Rufus Storm. Parce que c'est quand même lui qu'on va aider, du coup, autant y aller jusqu'au bout. Montage de niveau. Est-ce qu'on peut faire d'autres commerces? Oui, 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 on a d'autres cases de commerce, c'est bien tout ça. Ouais, c'est plutôt bien. Voilà, ok. Donc, effectivement, il fallait bien monter de niveau. Donc il a une... comment ça s'appelle? Une case de plus... Pour récupérer des marchandises, mais on va voir que ça va pas être suffisant. Je pense que je vais caler un entrepôt aussi, pas un entrepôt, un dépôt, pour pouvoir avoir plus de petits engins sur les routes. Et qu'est-ce que je vais chercher? Ouais, c'est ça. Allez, on va le livrer à Rufus Storm.
ça va faire un peu de pognon. Que dois-je dire à Madame Bay? La compagnie est très satisfaite. Si voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous faisais confiance. Oui, bah c'est soit toi, soit l'autre. Hein. M'énerve pas. Ah oui, c'est des gains. J'avais pas fait gaffe, mais c'est des gains et c'est même pas du commerce. C'est juste des gains, donc faut être en positif de 5000 au niveau des ventes. Ah mais YOLO là, les gens. On va aller voir Trenchcoat. Bon, il se barre pas tout de suite, c'est cool. Donc il achète aussi en à l'infini des... Oh, c'est vous. Marché conclu. Ok, 600. Il achète aussi des trucs de fer, là. Des gros tubes de fer. Ce qui peut être une bonne idée. Donc les outillages. Ça me fait aussi penser qu'on a besoin d'outillages. Oh putain. Oh là là. Oh, c'est pas très opti tout ça quand même. C'est même pas opti du tout, mais bon, c'est pas très grave. Alors. On va aller chercher des outils auprès de Rufus Storm encore. Système alors, si de je veux éviter. Connecté. J'attends vos ordres. 40 tonnes d'outils pour 5000 crédits, j'ai vraiment envie de le faire. Je sais pas si ça va pas nous passer en négatif à mort. Compte tenu de la réduction. Si vous recherchez un peu de soutien, vous avez frappé à la bonne. Ok, on va avoir besoin de ça. Exactement. Très intéressant. Non, on va pas accepter. Comme vous voudrez. Voilà, ok. Il faut vraiment qu'on lance cette production d'outillage. Là ou là, c'est pareil. Hein. Ok. Ok. La question, c'est à quelle vitesse tout cela va-t-il produire? Il va falloir que je fasse mettre un dépôt. Ok, un dépôt, on va voir. On va en avoir besoin. On va voir si ça commence à produire correctement des outils. Ce qu'il faut, c'est vraiment lancer une production d'outils. Si on a les outils, ça devrait aller. Oh oui! Oui! Oui, je t'aime! Gain ce jour, 925, c'est pas mal tout ça. Allez! Plus de 1000. Eh? Est-ce qu'on arriverait à faire en un seul épisode la première mission? Ça serait vraiment cool. Ça lance à 3 sur 5, là on voit... 4 sur 5, j'ai vraiment envie de mettre un deuxième... Je pense qu'on peut se le permettre. De mettre une deuxième fonderie de fer. Ce qui nous permettra d'avoir un excédent de fer qu'on pourra vendre à l'autre Jaco là. Et alors ça me fait penser. Je vais faire un petit tour à voir à Trenchcoat. Au bateau de Mad Max, un peu. Trinidad. La provenance de ces choses importe peu. Pas de facture, pas de reçu. Compris? Ok. Pas de facture, pas de reçu. C'est comme ça que j'aime les commerçants. On est plutôt pas mal tout ça. Du coup, on va pouvoir autoriser la montée des tycoons. On va en aimer les droits d'ascension, hein, évidemment. Ça va nous prendre une blinde en outils, mais ça serait pas grave. Ouais, c'est quand même un peu chaud au niveau des trucs de fer. Ça m'a pas l'air des plus efficaces en fait. À cause de toi qui fournit pas beaucoup en ferraille. Donc je vais te stopper toi. Il va nous falloir plus de production de fer que ça. Alors pour ça, où est-ce que je peux aller chercher du fer? On peut aller chercher là-bas. Avertissement. Arrêt complet de la production. Oui, bah je sais, je l'ai arrêté moi-même. Si vous êtes arrêt prêt, complet de la production, c'est moi qui l'ai arrêté.
Véhicule en fuite. Ok. Opportunité de construction étendue. Alors, opportunité de construction étendue. Oui, produisons des burgers, plein de plateaux repas. Non, on va pas le faire tout de suite. Je vais déjà faire en sorte qu'on ait un peu plus de ferraille. On va relancer le truc. Donc au niveau des modules de construction, on est très bien. Les outils, ça va être beaucoup plus compliqué, je sens. Voir où ça en est. Là, on est à 100%. 60, 64. Hey, normalement, il devrait pouvoir faire quelque chose. T'en es où? T'as cassé le bateau. Ok. Alors, on a Yana Rodriguez. Déjà de retour? Vous savez y faire un... Hop, les 14 tonnes de poissons qu'on revendra à ta gueule plus tard. Ça, c'est pas plutôt cool. Ok. On va partir avec la distillerie. Non! La fête est finie. Putain, il s'est barré. Sayonara. Bon, bah voilà. On est à plus de la moitié. On a passé la moitié, ce qui est particulièrement correct. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en vrai, là, il suffit d'attendre et ça va doser, hein. Opportunité de construction étendue. On a plein d'opportunités de construction. Je pense que ça sert pas à grand chose de pousser plus loin pour l'instant au niveau des constructions. On est plutôt bien. D'ailleurs, les mecs, ils arrivent pas à sortir de... Ils arrivent pas à sortir du pétrin, là. Hop, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de modules qui circulent. On va accélérer un peu le temps. Alors, où est-ce que ça en est, d'ailleurs, au niveau des 100%, 100%. Là, si c'est la blinde, on va mettre encore un truc d'outillage. Au pire, on vendra les outils plus tard. Allez. Donc, un dernier outil. Je pense qu'on va en avoir besoin. Hop. Deux ateliers d'outillage complets. Maintenant, la question, c'est comment atteindre les 2500 restants. Si Trenchcoat ne refait pas surface tout de suite, ça va être un petit peu long. Parce que si on garde sur nos marchandises... Ouais, le charbon, il est ric-rac en fait, hein. Je me rends compte. Oui, le charbon est un peu ric-rac. Je vais mettre une foreuse de charbon là. Ok. Donc, le charbon va remonter. Le poisson est à peu près stable. L'alcool, ça monte beaucoup. Donc, si Trenchcoat refait surface et que je veux vendre des trucs, ça va être vraiment cool. Maximum au niveau des granules. Ah, le charbon remonte. Et... Ah oui, quand même, on a pas mal de choses. Ah, il y a Eden qui va vendre des trucs. Enfin, qui va acheter des trucs. Avertissement. Production interrompue. La fonderie? Quoi? D'accord, c'est toi. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, ils arrivent pas à... On a beaucoup trop de modules de construction. Je vais commencer à poser un petit peu d'autres maisons. Non. De toute façon, ça va vite. Ça va particulièrement vite. Et ça me permet de remonter un petit peu dans mon bilan qui est plutôt en positif en plus. Non. Ok. On va partir là-dessus, c'est déjà pas mal. Ah, ça produit à une vitesse. C'est plutôt cool. Je vais juste faire gaffe au poisson qui a pas l'air d'être dans son assiette. Ah ah. Ouais. Le conseil d'administration vous félicite pour votre réussite. Ok. Petit bilan positif, ça fait toujours plaisir. Ça fait fonctionner les actionnaires qui aiment bien ça. Ah ah, quelqu'un arrive. Plus 562. Ok, donc il reste 1500, ça devrait se faire. Je pense qu'on
peut... Sélection de bâtiments étendus. Nouveau bâtiment. Mais en fait, j'aurais tous les bâtiments. J'en aurais pas placé un seul sur le deuxième... sur les employés Tycoon. Et pourtant, j'aurais eu tous les bâtiments. Ah là là. Trop fort. Trop fort. De toute façon, tout ce qu'il faut que je fasse actuellement, c'est vendre des trucs. Donc on va continuer là-dessus. Je vais vendre des trucs en off. Ça devrait pas être un problème. Et je vous reprends si bien sûr il y a un souci. Mais je pense qu'on va tout finir en off. Parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Et j'ai pas envie de me casser un petit peu mes... De casser un peu tout ce que je suis en train de produire. Mes stocks. En construisant de nouveaux bâtiments. Donc on va juste faire un petit break là. De temps que j'atteigne les 5000. Ça devrait être assez simple. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah il y avait Trenchcoat qui venait de faire surface dans le secteur. Bah j'ai vendu 70 trucs de bière, 70 trucs d'alcool et 40 trucs de fer. Et bah en fait j'ai plus 5000 d'un coup. Donc j'aurais pu attendre jusque là, j'aurais fait ça d'un coup. Mort de rire. Bon bah voilà. C'était trop dur. Très bien. Vous avez accompli un travail remarquable. Et la compagnie vous en est très reconnaissante. Hey, vous avez vu ça? Un seul épisode. Un seul épisode pour arriver à faire la première mission. Bon, certes, c'était la plus simple, mais ça augure un petit peu du bon pour les prochaines. Choisissez auprès de qui vous souhaitez investir en point de carrière. SAAT, moi j'aime bien SAAT. Ok, donc voilà, population, temps de jeu 1h52, donc évidemment, moi sur mon compteur, je suis à moins d'une heure parce que c'était en accéléré. Dans la majorité du temps, c'était accéléré d'ailleurs. Niveau de difficulté, partie intermédiaire, quoi, non, c'était pas intermédiaire, ça c'était facile. Type de mission, affaire mondiale, rien. Ok, et pourquoi quand on appuie, ça réaffiche les trucs? Ah d'accord, c'est pour scaler. Eh ben... Ah oui, graphique. Fuyation totale. Et c'est quand je remplace des bâtiments. Ouf. Développement. Économie. D'accord. Ok. Bon. Voilà pour ce premier épisode de mon nouveau Let's Play sur le jeu Anno 2070. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, bien évidemment, on s'attaquera à la deuxième mission, intervention de crise. Donc c'est un secteur de taille moyenne abritant de petits comptoirs commerciaux, niveau intermédiaire. Et installer les ingénieurs Tycoon. Ah oui, les ingénieurs Tycoon, ça va être un petit peu compliqué déjà. Et gagner beaucoup de crédits grâce au commerce. Donc c'est la même chose. C'est sensiblement la même chose, mais le niveau de difficulté s'augmente. Du coup, ça va être plutôt sympathique. Voilà, on verra ça du coup dans le prochain épisode, je pense que ça fera un ou deux épisodes, peut-être même trois, et j'espère arriver en une dizaine d'épisodes à la fin de la dernière mission, ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!